En même temps, entre 2000 et 2005, quand t'avais une piole étudiante, avoir internet, c'était pas très répandu. Donc maintenant, j'ai fait ça, maintenant je fais quoi? Toujours le même problème, on sait pas. S'il faut voir la vieille et... Allez, on dit que ça va. C'est là, c'est après, non? Non, c'était pas là. Ah putain! Le 113, c'était une période sombre de ma vie. Putain, c'est pas là. Non, bon, c'est pas là. Bon, c'est à Tormina, alors, du coup. Village tout blanc. Voilà, même toi, tu retiens pas les noms. C'est Tormina. Oui! Ok, on va faire ça, mais... Et du coup, c'était... Elle était là, hein, c'est ça? Yes. C'est étrange, cette horloge n'a pas bougé depuis des lustres. Oh putain. Oh putain. Je suis rentré. Cette voix, serait-ce toi? Oui, c'est moi, Squally. Squalala. Squalili. Je suis rentré à la maison. Squally, oh Squally. Viens ici que je te prenne dans mes bras. Donc il a toujours été comme ça lorsqu'ils l'ont appelé Squally de naissance. Et grand-mère. Squally. Mais pourquoi es-tu si maigre? Tu ne manges pas à ta faim? Grand-mère, je ne sais pas comment te le dire, mais... Ne t'en fais pas, Squally, je suis juste heureuse de te retrouver. Ça a dû être très dur pour toi. Ne repars plus jamais, Squally. Sanglot. Oh, ne pleure pas comme ça. Mes vêtements vont être tout mouillés. Là, il va déjà se prendre une claque dans la gueule. Je ne pleure pas parce que je suis triste, mais parce que je suis heureux. Tu m'as toujours dit de ne pas retenir mes larmes de joie. Squally. Oh là là là, c'est tellement mignon. Ah, Squally est rentré à la maison, les dieux ont entendu les prières, blablabla. Oui, d'accord, mais... Bon, d'accord. Brooke, ouais. Bon, et ça me dit pas... voilà. Est-ce que mon plan, mon deuxième plan, c'était en fait... Parce qu'il y a un mec qui se trimballe en bateau, là. Peut-être qu'il s'arrête à un moment, je sais pas. Donc je vais voir si je peux pas le pécho en fait. Hey ! Ok. Parce que moi je veux bien péter les dragons, mais si j'ai pas de... Si j'ai pas de bateau, je peux pas, quoi. Voilà. On est de nouveau face à un problème qui est... On ne sait pas. Pour avoir internet, j'avais une carte ajoutée à mon PC portable. Et il fallait se mettre au bout du couloir pour avoir un réseau de café. T'as la vache, t'as un PC portable et tout. Oh. Ça me saoule. Je reparle à Squally. Bah j'arrivais pas à parler à Squally. J'y allais, il chialait, c'était sa grand-mère qui parlait. Parce qu'il chialait dedans. Chialait dans la chatte à sa grand-mère. Ah bah. Nyark, 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 mais si, grâce à vous les amis, j'ai retrouvé ma grand-mère. Faites-moi un signe, d'accord. Alors, oui, Brooke. Baggy le Brooke. Je sais pas s'il y a assez de place, mais pourquoi pas, ouais. Avec plaisir.
de lui donner un nom d'empereur des mers. Ça va être juste, hein. Et ça va être méga... Ah, il n'y a pas la place. Comment on revient en arrière? Baggy Brook? Brookie le clown. Brook le clown, plutôt. Hein. Spooky Scary Skeleton. Ou tout attaché, Baggy Brook. Ou on fusionne les deux noms, ça fait Brook Guy. ou Bug Rook. Brookie. Ouais, Brookie. Allez, Brookie. Comme ça, c'est un peu cryptique. Et on saura. Nous seuls saurons les raisons de ce nom. Brookie. Du coup, est-ce qu'il est intéressant? Alors, 351... Il n'est absolument pas intéressant, mais au moins lui, on lui a donné un nom qui claque. Et Brookie est rentré à la maison. Voilà. Ça aurait mérité un sondage, ça. T'as pas le temps pour un sondage. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de retourner au manoir? Je sais pas pourquoi je retournerai au manoir. Y a rien qui me dit que... Je sais pas. C'est stupide. Ah ouais, d'accord, les égouts du manoir. D'accord, donc en fait, voilà. Mais pourquoi fallait-il passer par le marais de l'hydre avant? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que... C'est ça. Merci coach, hein. pour le coup là, le backseat, vous pouvez y aller au fait, hein, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que voilà. Backseat load. Ah! Et maintenant, putain. Non, non. Ah! C'est congolexicomalisation du JRPG. Et pourquoi je peux pas monter là? Putain, comment je fais là? Je pourrais pas passer non plus avec les... Voilà. Et la porte, elle serait ouverte du coup cette fois?
Merde. Y'a rien à faire, il va encore dire la même chose. Oh putain! Comment? Mais. Oh, au secours. Ça sert à rien ça. Ah, je vous dis, hein, c'est vraiment à l'ancienne, faut cliquer, faut que tu passes sur tous les bords de la map. Et tu cliques, tu mâches le bouton pour ramasser des trucs et comme ça, bah, tu trouves les choses qu'il faut faire. C'est pour ça des fois que vous me voyez racler les bords dans les baraques et tout ça et tout, c'est parce que c'est comme ça que... Faudrait que j'aille voir les avis sur le jeu, les tests et tout ça. Parce que moi je me souviens qu'à l'époque... où il était sorti mais dispo qu'en import et donc du coup que je voulais jouer mais que je ne pouvais pas. Bah il était plutôt acclamé quoi. Non je vais d'abord. Non. Mauvais move. On descendra après. Ah putain! Ah d'accord, faut attendre. Putain! Je pense que les prochains lundis, je ferai du Zelda. Du Link to the Past. Et après, on enchaînera avec un nouveau jeu. Et peut-être que je reviendrai sur le Chrono Cross plus tard. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie de m'amuser. Je ne m'amuse plus depuis un moment sur ce jeu. Peut-être. Météore de Pégase. Oh. Ah, il faut se faire projeter là. Oui. Bastille, oui. On remonte. On peut pas aller là, c'est pas grave, on va y aller. Ah. Ah si. Aïe! En pleine gueule! La chauve-souris!
Des puducs. C'est des puducs, c'est ça? Je pense que c'est un jeu qui aurait mérité un remake. Plutôt qu'un pseudo remaster un peu dégueulasse. Merde! Oh, c'était pas plus mal. Ah, ça va être chiant. Heureusement qu'il y a une avance rapide. Ah merde! Oui, mais je suis d'accord, coach, mais il y a quand même un juste milieu. Regarde, enfin, la plupart des JRPG de l'époque sont quand même plus clairs, je suis désolé. Ah, oh, ça me saoule. Je vais arrêter l'avance rapide quand je me trouve là, parce que sinon ça me fait avancer trop loin. Hop. C'est pour rien, God of War, le dernier, sans spoil. Si tu le fais, je trouve que le jeu t'assiste trop contre... Ah bah ça, c'est le défaut des jeux de maintenant, ouais, c'est sûr. Je me souviens, voilà. Ah merde, c'est tout? Mais pourquoi on descend là, alors, du coup? J'ai plus qu'à remonter, maintenant? Putain, mais ça sert à rien! C'est pas là... Ouais, quand j'ai fait la nouvelle trilogie de Tomb Raider, là, effectivement, c'était un petit peu trop. Mais c'est la mode des jeux, effectivement, maintenant. Mega Assistana. Mais en même temps... Ah, c'est juste pour les objets. En même temps... ah, putain, ça me saoule. En même temps, les God of... Putain, mais j'étais pas devant. Les God of War, c'est des couloirs beat'em up, hein, à la base, hein. Donc... Putain, ça va me saouler de ouf, quoi. Donc moi, ça m'étonne à moitié que tu sois à mort drivé dans le jeu, quoi. Les anciens, pas le dernier. Ouais, je sais que c'est qu'il est différent, le dernier, mais bon... C'est le type de jeu où voilà, c'était pas open world, tu réfléchis, c'était. Enfin t'avais 2-3 énigmes mais ça pétait pas bien loin quoi. Le principe c'était vraiment de tabasser et... C'est juste Golden Axe en 3D. Un DMC-like. Un beat'em up, quoi. Pour moi, je dirais un double dragon-like. Non, c'est pas ça que je veux faire.
Pouette. Mais oui, c'est vrai que DMC avait un peu réinventé. On peut passer par là du coup. Devil May Cry avait un peu réinventé le beat'em up à l'ère PlayStation 2. C'est vrai, même s'il y avait quand même eu 2-3 trucs avant sur PlayStation 1, des trucs assez sympas. Et qui ont pas eu énormément de succès, qui n'étaient pas si ouf non plus. Il y avait Fighting Force, il y avait. Fighting Force, j'ai eu des bonnes barres sur ce jeu. Il y avait aussi Nightmare Creatures. Et le mode solo de Tekken 3. Ah putain, je me retape tous les ennemis. Double Dragon, c'est pas 3D. Mais oui, mais c'est le même. C'est l'ancêtre. C'est le même arbre généalogique. C'est le genre beat'em up. Fighting Force qui devait être un Street of Rage 4 pour la Dreamcast d'ailleurs. Oui, il me semble, oui. Alors, je suis pas sûr qu'à l'époque c'est des trucs qui se savaient. Vous savez, hein, je suis resté sur les informations de l'époque. Hein. J'ai très peu regardé de vidéos d'influenceurs qui expliquent les bails et tout. Par quelques-uns comme Mea et Punky, mais sinon. Moi je suis en mode. Ce qui se disait avant. Voilà, putain, j'ai réussi à revenir. Ouh. Ok, plus hashtag plus jamais. Donc du coup, c'était bien, mais ça ne m'a pas plus avancé que ça sur où qu'il faut que je passe. Il n'y a pas une porte de derrière vu que j'ai une clé. J'ai l'air trop vieux pour regarder YouTube. Bah non, mais depuis que je bosse dessus, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps pour le regarder, ça c'est vrai ça. D'accord, vous me laissez pas passer les gars, mais du coup je fais quoi, putain. Ça sert à quoi que j'aille dans les égouts si je peux pas aller au manoir. Si je monte la clé du manoir aux gardes, ils me disent quoi là? Est-ce qu'ils sont cassés quoi là? Elle est où la clé du manoir? D'accord. Carte de la seconde entrée. Bah là. Ils veulent pas me laisser passer. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est ça? Vous savez ce que ça me saoule. Et entre le boss de l'hydre et ça, il y avait plein d'autres trucs à faire. Au moment de ressortir de Tormina, vous ferez la rencontre du commandant Norris qui partira en direction du manoir au fil. Bah ça s'est pas passé. Mais je peux faire quoi à Tormina du coup? Il y a un truc que j'ai pas fait à Tormina. C'est où déjà les égouts? Ah c'était là. Remonte encore avant coach s'il te plaît. On me saoule putain. Ah putain je voulais esquiver ce truc de merde.
Oui, mais je peux pas, coach. Quand je suis... En fait, le truc, c'est que quand je suis sur le jeu en stream, je peux pas cliquer sur un lien, aller sur une autre fenêtre et tout, parce que je suis obligé de réduire la fenêtre en faisant Alt-Tab. Tout ça, tout le bordel, c'est super chiant. Et ça fait bugger les écrans et tout, donc c'est pour ça que je... Pour ça que je demande. Sinon, oui, effectivement, j'irai sur internet et je regarderai la soluce. Mais pour ça, faut que j'arrête le stream. Enfin, faut que j'arrête le jeu, quoi. Et à chaque fois, ça manque de faire planter Steam quand je fais ça. C'est pour ça que je ne le fais pas. Il faut tout le personnel mis à jour, entrer dans le bar pour entendre une voix devant... Ah, il faut que j'aille au bar, Tormina, putain. Hey, coucou Kinmeki, comment ça roule? Ah, mais du coup, là, je vois pas tout. Ah putain, j'ai pas bougé. Voilà, mais dans tout ce que j'ai fait là, à quel moment on aurait pu éventuellement se dire tiens, faut aller au bar ou faut chercher le commandant machin. Bad coach pour spam. Ah non, mais ça m'énerve la progression dans ce jeu. En fait, m'énerve. Et du coup, merci, coach. Ça me bourre le cul. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire le truc. Et avant d'arrêter le stream, j'essaierai d'aller voir si on peut pas trouver des vieux magazines de l'époque qui testent le jeu pour lire le test. J'ai compris en te guide Goudin sur Elden Ring. Alors, donc il faut retourner là-bas. C'est aussi bien foutu qu'un point and click mal foutu. Quoi. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je... En fait, c'est-à-dire à chaque fois que tu déclenches un truc dans le jeu, il faut que tu refasses le tour de tout ce que t'as déjà vu pour chercher les dialogues qui ont été trigger. Et après, tu refais... Enfin, en fait, tu fais ça tout... En fait, la progression dans le jeu, c'est ça, en fait, j'ai l'impression. C'est... Tu fais un truc, tu tombes sur le truc qu'il faut faire, tu déclenches un truc, donc du coup, après, il faut que tu te retapes tous les dialogues de tous les trucs que t'as fait, tous les trucs... Enfin, c'est infini, quoi. C'est chiant. Vous, avec un soldat de palperie en plus. Bon, dans ce cas, je n'ai pas le choix. Attendez, là, je vais vous ouvrir. C'est évident. Vous entrez par la gauche. Hein? Ah! Mais entrez par la gauche. La gauche, c'est là? J'ai appuyé un milliard de fois sur le bouton, quoi. Bref, bon, c'est pas grave. Ça fait un bail, Lynx, ou devrais-je dire, Epopolu.
Cette racaille de palperie est avec toi. Tant que tu es ici, tu es des nôtres. Toi, ne bouge pas et écoute ce qu'on a à te dire. Après vous avoir affronté, nous sommes aussi entrés dans le fort Dragonia. Attention. L'or de Maison du Café. Général ! Vous êtes pendu au plafond ? Nyark, 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 je suis Dark Sasuke. Il a disparu. Bon sang ! C'est terrible. Général, vous allez bien ? Ophélie ! Ne restez pas là, aidez le général. Pendant ce temps, moi je vais nettoyer au Karcher. Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé au général. Ça va, je n'en reviens pas. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi tous ces éclats qui brillent? Ce n'est pas le plus urgent, on doit arrêter l'hémorragie. Merci, ramasse ces éclats. Oula, il regarde bien le mur de bien près. Hein. Nous avons emmené le général à l'ermitage et nous prions pour qu'il se remette en vie. Et je suis myope comme une taupe, donc c'est pour ça que je ne sais pas où je parle. Il n'est plus à l'article de la mort, mais il doit se reposer. De notre côté, nous ne pouvions pas laisser le manoir sans défense trop longtemps. C'est pour ça que nous sommes revenus ici et nous avons laissé Marcy à son chevet. C'est en arrivant qu'on a vu ce qui s'était passé. L'armée de Palpori a pris le contrôle de Tormina. Je n'en reviens pas, c'est un scandale! Bonne nuit, Olifran, merci d'être passé, des bisous. Quelle misérable vermine, et dire que tu en fais partie. Moi aussi, je m'interroge sur les méthodes employées par l'armée. C'est pour cette raison que j'agis en phase avec le commandant Lynx. Alors, ne te mets pas en travers de mon chemin. On a appris ce qui se passait, le général parle dans son sommeil. Lynx est derrière tout ça, pas vrai? Cette pourriture, il ne va pas s'en tirer comme ça. On a notre part de responsabilité là-dedans, alors c'est à nous de corriger le tir. Il faut d'abord qu'on sauve Dame Ophélie. Elle est retenue dans le manoir. L'armée de Palpori en a fait son quartier général. Il devrait pouvoir entrer incognito, affublé comme ça, non? Unissons nos forces pour le moment. Bah, j'ai essayé 4 fois. Ils ont pas voulu me laisser rentrer. Mais maintenant que je t'ai parlé, ils vont me laisser rentrer. Il n'est pas trop tard pour lui faire payer. L'un de nous va rester ici pour glaner des renseignements. L'autre entrera dans le manoir. Retrouvons-nous après. Oui. Ces éclats au sol doivent être l'alarme de dragon. Nous en avons ramassé plein. Mais nous ne savons pas quoi faire. Vous pouvez les prendre. Éclat de haine. C'est dragon ou haine? Ça va prendre Karch, puis voilà, tant pis. Et forcément, son nom est tout trouvé. Merde. Comment je parcours... Merde, je peux pas, il faut que je... C'est chiant, ça aussi c'est mal fait! Ah non, il va falloir que je change tout et tout. Tant pis, je change pas. J'en ai marre. Si, elle se... va voir ta mère, elle t'attend, ton retour. Je sais pas ce qui se passe, mais une fois que j'en aurai terminé, j'irai la voir. Entendu, n'oublie pas. Pas beaucoup de temps, il faut qu'on y aille. Attention, nous sommes parce que nous réservons l'armée de Palpori. Cutscene. Dans ce cas, amenez-moi ce fameux Popolu dès que vous l'aurez trouvé. Oui, mon commandant. Il se voit, mais il fait pas gaffe. Hein. Commandant Lynx. Où étiez-vous tout ce temps? Nous avons appris que vous étiez allé au Fort Dragonia avec le général
Que s'est-il passé là-bas exactement? Il se produit des choses étranges depuis. Choses plus étranges encore. Connaissez-vous un dénommé Popolu? Vous êtes moi? Mais que s'est passé-il? Disons que je suis ton alter ego. Désolé de devoir dire ça, mais il faut que nous ouvrions les yeux, toi et moi. Nous n'aurons qu'une vue partielle si nous restons au même endroit. Silence! Alors du coup, on a de choc, un message important de la part du commandant. Que se passe-t-il? Il s'agit d'un message de sécurité de niveau 2, mon commandant. Vous pouvez parler, cet homme est avec nous. Ah, mon commandant. Borxi vient d'arriver dans le manoir. Il est en avance. Bien, j'y retourne de ce pas. D'accord, mon commandant. Voilà, Ultimanette, bienvenue. Commandant Lynx, veuillez m'excuser, mais je dois retourner immédiatement au manoir. Rejoignez-moi là-bas plus tard. Nous discuterons de cela en plus en détail autour d'un petit thé. Ce qu'il faut pas faire pour déclencher les triggers du jeu. Déclencher les déclencheurs. Et là, alors, si je vais là... Parce que moi, maintenant, je vais faire les trucs comme un débile. Hein, parce qu'ils vont dire... Non, on peut pas passer... Ah, vous pouvez passer, c'est bon, d'accord. Alors, à quoi ça sert d'aller dans le putain de d'égout? Commandant Harris, vous pouvez passer. J'ouvre pas la porte, la claque. On fait sa tête de mule, hein? Je vais le redemander une dernière fois. Que s'est-il passé dans le fort de Dragonia? Et où est le général Offid? Et où est la flamme gelée? Je n'en sais rien. Et si je le savais, je vous dirais rien. Fichu sorti touche. Écoutez, jeune fille, vous savez qui vous êtes dans le pétrin? Je vous en prie, colonel, cette jeune femme n'a rien fait de mal. Cette jeune sorti touche n'a rien fait de mal. C'est une prisonnière de l'armée de Palporie. Je l'interroge comme bon me semble. Permettez-moi de ne pas être d'accord, colonel. Il doit y avoir une autre manière de faire ça. Attendez encore un peu et... Nous n'avons pas le temps, Chuck. Et ce n'est pas le moment de me sortir vos explications à la Noax. Dans ce cas, jeune fille, je suis contraint de vous emmener au sous-sol. Dans le sexe donjon. Non, attendez. Chuck, vous commencez à me taper sur les nerfs. Restez en dehors de ça. Mais... Je suis commandant, non? Oh non! Pas dans le donjon. Comment tu fais pour pas marcher sur ta robe? Ça, c'est une robe de Morticia colorée. Morticia Adams LGBT. Vous me décevez, Chuck. Je vous ordonne de rester dans le boudoir jusqu'à nouvel ordre. Oh, dans le boudoir. Vous m'avez... Voilà, c'est qui, lui? Attendez, je vais pas aller dans le boudoir. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Pourrez-vous vivre avec ça sur la conscience? Il ne vous adressera pas la parole. Seul le combat l'intéresse, oh putain. Je n'en reviens pas. C'est bien celui qui était dans le laboratoire. Tout à fait, voici Borxi, la machine à tuer. Tuit. Borxi ne reçoit d'ordre que de ceux qui sont plus forts que lui. C'est bien notre veine, encore un soldat qui refuse d'obéir. Rompez. Donc le colonel, c'est plus fort que le commandant, c'est ça? Appelez-moi le cuisinier. Le cuisinier. La version infernale, bien évidemment. Eh oui, mon colonel. Juste pour dire que je pourrais pas être là pour l'actu même samedi prochain. J'aime beaucoup ton travail. Bon, là, il va tout... Ah, c'est pas grave. Il y aura les redifs, hein, t'inquiète pas. Mais merci beaucoup, Ultimanet. Bonne soirée. Ah bah du coup je pourrais... Oui parce que maintenant c'est le vendredi soir cette semaine exceptionnellement parce que je pourrais pas le faire le samedi après-midi, enfin du moins toute l'après-midi. Et peut-être qu'à l'avenir d'ailleurs ce sera pour de bon les vendredis soirs et plus les samedis. Je réfléchis à ça. Si ça marche bien, s'il y a du monde pareil, et bah... On peut passer ou pas? On peut tout ouvrir. Et bah je ferai ça les vendredis soirs au lieu des samedis après-midi.
Colonel, c'est deux crans au-dessus de commandant. Ah, commandant, lieutenant, colonel, colonel. D'accord. Je sais pas, j'y connais rien, l'armée. Commandant Lynx, veuillez m'excuser, tout ceci n'est pas digne de votre grade. Commandant, cela me turlupine depuis notre dernière rencontre à Tormina, mais vous m'avez l'air différent d'avant. Je vous trouve changé. C'est mes moustaches, je les ai coupées. Cet homme n'est pas le commandant Lynx. Comment ? Il a l'apparence de Lynx, il a l'odeur de Lynx, mais c'est Popolu en réalité. Est-ce la vérité, commandant Lynx ? Que s'est-il passé ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Yu-Gi-Oh ! Je vois. Alors, le dénommé Popolu qui commande les insurgés est le vrai Lynx. Je comprends mieux maintenant. Ah oui, c'est tout est très clair. Nous nous sommes trompés sur toute la ligne. Nous n'aurions jamais dû unir nos forces à celles de Lynx. Mais pourquoi êtes-vous ici ? La fille du général Lefid. Ça, c'est très perturbant. Hein, j'aurais pas dû prendre le même. Du général Lefid devrait être ici. Je vois, alors vous êtes ici pour la secourir. Dans ce cas, je vais vous aider. On doit se trouver dans la prison. Oui, viens, rentre dans l'équipe. J'ai envie d'en avoir deux comme toi. La clé de la prison. Les égouts passent sous la prison. Vous devriez pouvoir vous introduire dans la clé en passant par là. Dans la prison en passant. Les égouts, d'accord. Utilisez la trappe située en bas. Les égouts sont infestés de monstres. Soyez sur vos gardes, il paraît que l'un d'entre eux est particulièrement terrifiant. Je serai dans le foyer au rez-de-chaussée. Retrouvez-moi là-bas une fois que vous aurez libéré Ophélie. Traiteras-tu de Bingus et Floppa ? Non, je pense. Enfin, pas dans l'immédiat, peut-être. Encore une fois, je le répète souvent. J'ai énormément de sujets bien plus. Enfin, j'ai beaucoup de sujets. C'est pas la peine de me proposer des sujets ou de me demander si je vais parler de tel ou tel même, parce que c'est des questions, je n'y réponds plus maintenant parce que c'est plus possible. Allez, Orca, c'est l'heure. Lors de quoi ? De quoi tu me parles ? Tu sais bien, de ceci ! Oula. Oh la merde. Wouah. Quoi? Ta proie t'attend au sous-sol. Quoi? D'accord. C'est très bizarre. Je suis déjà sauvegardé une première fois. Non, c'est statut. Et je vais fouiller un peu. Et voilà. C'est là les égouts ? Non, je veux pas y aller. D'accord. Ah, il y a une autre entrée là ? Putain, j'ai cru que c'était un dildo là. Ah mon dieu. Ah là, là-bas, il y a un truc qui brille là, tu te dis je peux prendre ? Ah. Putain, vous voyez comment on peut passer à côté de trucs parce qu'on n'est pas dans le bon axe ?
Au secours, quoi. Ça rappelle les meilleurs moments de Resident Evil. Même si bon... C'était quand même plus évident de choper les trucs dans Resident Evil. C'était une statue de serpent. Jouer avec le D-pad à l'ancienne parce que putain ah j'ai un truc pour faire ça. Ferme, mais ça sent un peu mauvais. Ça souffle pas. Attendez, c'est un miroir. Ah oui, c'est un miroir. C'est juste un miroir. Ça, ça souffle, ça. Gantelet draconien. Descendez dans les égouts en empruntant une trappe. Ah, ah, c'est lui qui m'explique ce qu'il faut que je fasse. Parce que vous aurez secouru Feli, revenez me voir si vous avez des questions. Putain, en fait, c'est le vieux qu'il faut que j'aille voir si je sais pas des trucs. C'est Buren Lagan. Comment il s'appelait déjà dans Final Fantasy VII? Bouganagan. Guren Lagan. Tiens, pour vaincre quoi? Il y a un ascenseur derrière le trône, ah bon? Fais appuyer sur l'accoudoir, putain. Eh merci coach. C'était évident, mais oui! Tom Ophélie a été amené de force dans la prison du sous-sol. Oui, je sais. Parce que
que je peux voir ce truc là s'il vous plaît? D'accord, ça sert à rien. Franchement, je le savais. Il y a une pièce secrète quelque part. Par là, je dirais que c'est derrière la bibliothèque. Voilà. Alors ça, c'était facile. Et il y a rien. Quoi ça sert, putain? Hein? Craignez celui au bouclier manquant. Réfrénez la colère de votre dieu. Au moment où vous verrez la vérité dans la lumière, la colère de Dieu s'apaisera. Attends. Craignez celui au bouclier manquant. Examinez le pilier dans l'armurerie. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, on comprend. Non, non, mais c'est bon, coach. Là, je suis en mode... Oh là. Je le découvre. Dies Blumé, cette fleur de... du Manosev s'appelle Néoflore. En grandissant, elle se comportera comme un humain. Mais cette Néoflore n'est pas comme les autres. Elle est un type puissant et capable d'y élémenter Benutzen, d'utiliser les éléments. Natürlich, c'est moi qui l'ai amélioré. Oh, 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 oh. Es ist möglich. Ah, j'ai des restes, hein, j'ai des restes. Hein. Il est possible de l'entraîner si c'est à la fleurie, hein. Mais pour ça, il faut une étincelle de vie. Une kleine étincelle de vie. J'en ai localisé une dans un marais im Osten von Harny. À l'est d'Harny, je voulais dire, bien sûr. J'ai envoyé certains de nos hussards la récupérer. Personne n'est encore revenu. Chad, ah bah tiens, Chad, il est plus là. C'est bien dommage. Mais je ne peux pas risquer d'autres vies. N'approchez pas de ce marais si vous voulez rester en vie. Mais je l'ai la fleur. C'est quoi le spot pour trigger, putain? Elle est où la fleur que j'ai récupérée là? Putain, mais j'ai récupéré un truc, c'est même pas là-dedans. Niquez-vous. Ça fait 100 ans que les gens sont venus habiter à El Nido. Les choses ont bien changé, mais la mer reste la même. J'ai envie de chialer, mec, j'ai envie de chialer. Si je suis là, j'ai été réveillé. Monocle d'analyse. Bon d'accord, je peux rien faire. Du coup, elle est repartie dans son labo ou elle est où? Alors, ils ont dit le pilier, hein. Faut que je me souvienne du pilier. Étincelle de vie sur le nénuphar. Mais... mais j'ai pas étincelle de vie ici, je l'ai. Ah putain. J'ai fleuri. Putain, on a une Joanna. Bonjour. Je m'appelle Néoflore. Tu dois être mon maître.
Merci, coach. Ravi de te rencontrer, mon bourgeon. Ok, j'ai absolument aucune idée comment l'appeler. On va laisser comme ça. Hein. On va laisser comme ça. Poison Ivy. Et on va pas la prendre dans l'équipe. Emmenez-moi avec vous. Non. Tu restes là. Bon, attends, on descend à l'armurerie. Et après ça, je me demande si on peut lui péter la gueule quand même. Je vais pas me lancer là-dedans. J'ai plus envie. Elle était là, l'armurerie. Merde. Ah non, c'était pas là. C'était en dessous, alors c'était à l'étage en dessous. Il y a quoi ? Actionner. Ah ! Ah ! Velin d'Ophide. Conquer grand ciel, putain, c'est la deuxième. Bon bah voilà, on va aller dans les égouts du coup. Ah mais avant j'ai pas allé là. Oh, j'ai la bouche sèche. On peut passer aussi par là pour les égouts. Je peux pas vous laisser passer maintenant qu'on... Ah, d'accord. Peut-être que je sauvegarde avant. Elle est où la sauvegarde déjà? Je sais plus, il y en a une tout près de sauvegarde, non? Je sais plus. Ouais. Je vais arrêter de toute façon. Ah, comme je le pensais, il y a plusieurs endroits où passer. Et il va falloir s'amuser à remonter, descendre à travers les putains de grilles. Les bails d'égout dans les JRPG, je déteste ça. C'est souvent signe de labyrinthe de merde avec des mobs à la con. J'ai pas changé mes armes, moi.
stupe. Ça va être mieux quand même. J'ai rien de mieux que ça. Toi, cette musique de cul. Ah, il a rien. Il a pas d'H, d'accord. Ah, ah, oui, bah oui. Ah, je vois. C'était ce que j'avais ouvert la dernière fois, putain. Quand même nettement trop de perso, ouais, je trouve aussi. Allez, putain, bah oui, je le fais. Pousse. Il est où? Regarde. Ah merde, il y a un coffre. Hein. C'est quoi déjà là-haut? Je sais plus. Ah bah. En fait, la plupart des persos sont des persos bonus en fait. Quoi. C'est un peu comme dans Suikoden, que tu peux, il y en a plein que tu peux ne pas avoir. D'ailleurs, il y en a plein que j'ai pas, je pense. Mais c'est voilà, la plupart c'est des persos optionnels quoi. Ah mais merde, bah oui, je suis con. Et par là, c'est quoi déjà? Je sais plus. Ah, je lui ai fait peur et ça fait descendre le coffre. Oh non, je vais déjà sauvegarder. Parce que je pense que je vais pas tarder à arrêter en plus.
Elle est où l'autre bouche d'égout, je sais plus. Il y en a trois, hein, les bouches d'égout, on est d'accord. Hein. Ah tiens, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes lynx, Filkrich? Je vous trouve différent. Yo. Ah, je sais plus où elle est, l'autre. Je vais partir d'autre. Ah oui, elle est dans la cuisine, je me souviens. C'est dans la cuisine, c'est où? À mercredi, coach, merci d'être passé. Je peux t'arrêter de toute façon. Je vois que tout le monde est parti au lit. Je suis tout seul. Mais je comprends. Je comprends. Mais non, c'est pas tout ça. Oui, enfin bon, vous savez, les esquives, hein, hein. C'est chiant aussi que les ennemis ils peuvent te... t'interrompre dans tes actions. Ça aussi c'est super chiant. Que ton esprit. Ouh. Saut de magie, c'est quoi? C'est quoi le truc là cluant? Et pourquoi je peux pas interagir avec? Il me l'a frisé. Ah, j'aime bien quand ça s'enchaîne sans accro. Il est tout bleu. C'est un petit peu la musique, elle est un peu forte.
Une balle en pleine tête. Mais putain, je peux pas... Ah oui, il faut que je descende par là, ça va, je suis con. Alors attendez, on va retourner là. Merde, je peux pas faire. C'est bonne nuit, Shad. Shad, je sais jamais. Merci d'être passé. Et puis, bonne nuit et bon live demain soir. Non, pas moitié moins. Putain, qu'est-ce que je fais? Ah! Oh putain! De la merde. J'ai marre de Zulu. La Run Link's Awakening était folle. Demain la chaîne c'est la chaîne de Saturday Night, Saturday Man. C'est bien, c'est ça. Putain. Oh merde. Mais non, mais il est minuit 10, moi j'attendais le prochain point de sauvegarde. Grosse mouche à merde. Bon, terminé.
Le stream en toute beauté. Douche de pipi. Allez, vas-y. Bonne douche de pipi qui tape à 200, ça c'est bien ça. Oh, ils sont tout mignons. C'est comme ça que je chasse les mouches chez moi. À coup de gun. Merde. Ah, il y a la glissade perçante, c'est vrai. Je suis enfin débarrassé de mes mouches, j'ai en effet sorti mes 14 poubelles. Waouh! Ah, c'est hardcore. Ah, et tout le monde Apex. C'est bien ça. C'est bien. Oula. Ah, d'accord, c'est des. Ok. Que je suis ici, l'odeur de la mer me manque. Quelque chose là-dessous. Y'a quelqu'un? Oui, une petite seconde. Oïs. Putain, on va avoir Freddy avec nous, Freddy Moustache. Non, non, Typhon, Lynx, calme-toi. Que viendrait faire Lynx ici? Je l'ai sous les yeux, non? Ce n'est pas Lynx, c'est Popolu à l'intérieur. Tu te fiches de moi. Ah, je vois pas pourquoi elle serait ici. En tout cas, je suis content que vous soyez venu me sauver. Je vous revaudrais ça. Nous ne sommes pas ici pour toi. Nous venons sauver la fille du général Ophid. Ah d'accord. Bah, vous m'avez quand même tiré de là. Je vais vous aider. Sais-tu où trouver la fille du général Ophid? Oui, il a enfermé une petite dame dans la cellule d'à côté. Ah! Bonsoir! On est des évolis sauvages, mais gentils. Bonsoir, Archibald Weirslade. Merci beaucoup pour le raid. Bonsoir à tout le monde. Je m'apprêtais à arrêter. Mais merci beaucoup. Je suis en train de jouer avec Chrono Cross, la version remastered qui est sortie il y a quelques mois. Là. Voilà, voilà. Et tant pis. Non mais merci quand même, vous y avez quoi de beau chez toi? Et voici les clés de la prison. Merveilleux. Je vais aller libérer les autres et on prend tous le large. Bonne chance à vous. Ah mais moi je voulais voir où est-ce qu'on atterrissait à les autres endroits. Ah d'accord. Guild Wars 1 avec des poteaux puis Guild Wars 2 en pseudo. C'est pour mon retour sur les ongles.
Ah bah mon retour alors du coup. Je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent par derrière. C'est souvent le cas. Mais d'accord, j'ai jamais joué à Guild Wars. Je ne sais pas trop, je ne connais que de nom et de réputation. Je sais pas qu'on pouvait entrer par là. Ouais, ça veut dire qu'on peut aussi sortir. Donc si t'étais un tant soit peu malin. Donc on va aller sauvegarder et s'arrêter là. Ah bah voilà. Pas besoin de chercher bien loin. Je suis éclaté. Hop là. Hop. Et oui, on quitte la partie. Avec plaisir. Je ne sais pas si on continuera le jeu. Parce que ça fait un moment que ça me broute. Mais bon.